Peggy 16. The Secret World est un jeu massivement multijoueur en ligne qui se déroule à l'époque actuelle, dans un monde où tous les mythes et légendes sont vrais. Il vous permettra d'explorer des lieux comme New York, Londres, l'Égypte, la Transylvanie ou encore la Nouvelle-Angleterre. Au fil de votre progression, vous percerez des mystères, vous trouverez des butins fabuleux. Vous pourrez jouer en joueur contre joueur de masse et surtout, vous aurez la possibilité de développer un personnage unique. Il n'y a ni classe ni niveau dans The Secret World. Vous avez le choix entre plus de 500 pouvoirs uniques pour créer exactement le personnage que vous souhaitez jouer. Vous pourrez ainsi utiliser la magie du chaos avec de redoutables armes de main en assommant vos adversaires avant de les déchiqueter de vos griffes d'acier. Et l'instant d'après, vous pourrez soigner vos coéquipiers grâce à votre magie du sang, tout en maintenant les forces des ténèbres à distance à l'aide de votre fusil d'assaut. Tous les pouvoirs du jeu sont regroupés dans le Nexus des pouvoirs. Ils sont réunis en trois catégories principales: corps à corps, magie et distance. Celles-ci donnent accès à un total de 9 groupes. Lame, marteau, arme de main, magie du sang, magie du chaos, élémentalisme, fusil à pompe, pistolet et fusil d'assaut. Rien ne vous empêche d'apprendre tous les pouvoirs du Nexus, mais vous ne pouvez utiliser en même temps que 2 armes et une sélection de 14 pouvoirs, 7 actifs et 7 passifs. Tout l'intérêt de ce processus de sélection et de trouver les combinaisons de pouvoirs qui vous permettent de jouer votre personnage comme vous le souhaitez. C'est un peu comme si vous aviez la possibilité de choisir 14 cartes dans un jeu complet afin d'établir votre stratégie. Choisir des pouvoirs qui fonctionnent bien ensemble est important pour obtenir une bonne sélection. Si vous renversez un ennemi à l'aide d'une attaque, puis que vous utilisez un autre pouvoir dont les dégâts sont augmentés contre une cible renversée, ces deux pouvoirs ont une bonne synergie. Le Nexus des pouvoirs offre un grand nombre de possibilités de synergie. Il y a par exemple des pouvoirs qui entravent, diminuent, infligent ou affaiblissent. Vous pouvez également vous spécialiser dans un certain type d'attaque: rafale, frappe, chaîne, frénésie, focalisation ou souffle. Le système de compétences est une autre facette du développement de personnages. Les points de compétences se gagnent comme les pouvoirs, mais ils permettent par exemple de s'équiper de meilleures armes ou de meilleurs talismans. Vos compétences vous offrent de nouveaux choix tactiques, car chaque arme confère 2 types de bonus différents. Par exemple, en développant votre compétence lame, vous pouvez augmenter vos dégâts ou votre capacité à survivre. Les compétences vous permettent de peaufiner votre personnage et d'en faire par exemple un maître de la défense, une machine à soins ou une bête de combat. Si vous préférez vous battre de loin, privilégiez une arme à distance, couplée au pouvoir qui entrave l'ennemi ou le ralentisse. Prenons comme exemple une sélection combinant fusil d'assaut et fusil à pompe. Dès le début du combat, lançons état de choc d'élite. Ce pouvoir freine les ennemis, tandis que nous pouvons bouger pour rester à distance. Nous générons également des ressources à distance, mais nous pourrions aussi échapper aux ennemis d'un saut périlleux arrière avant de les arroser d'une pluie de balles. Tous les pouvoirs de cette sélection reposent sur l'entravement. Les pouvoirs passifs augmentent les actifs en conférant des bonus utiles, comme de meilleures chances de coups critiques ou davantage de dégâts sur la durée, et ces synergies les rendent bien plus puissants.
Tellement de défis différents sont à relever dans The Secret World qu'aucune sélection n'est parfaite. C'est pourquoi vous avez intérêt à avoir des pouvoirs différents pour répondre à chaque situation. Vous pouvez par exemple avoir une sélection spécifique pour un type d'ennemi ou même pour un seul boss. Il est extrêmement facile de changer de sélection dans The Secret World. Affichez votre feuille de personnage. Cela vous permet de sauvegarder vos sélections et d'en changer quand vous le souhaitez. Quand vous chargez une sélection, vous vous équipez automatiquement des pouvoirs et de l'équipement sauvegardé. En un instant, vous avez redéfini votre personnage et pouvez relever de nouveaux défis. Maintenant, rendons-nous en Égypte pour explorer un redoutable donjon, l'Ankh. Vous devrez y affronter une momie géante corrompue. Et nous allons examiner plusieurs manières d'aborder ce combat. On peut bien évidemment attaquer ce boss bille en tête. Mais bien vite, nous nous rendons compte qu'il vaut mieux garder cet ennemi à distance. Notre gestionnaire d'équipement nous permet donc de prendre les armes et pouvoirs appropriés pour ce genre de situation. Essayons maintenant une sélection combinant élémentalisme et fusil à pompe pour privilégier les attaques puissantes contre un adversaire unique. Les synergies de la sélection se concentrent sur les attaques de type frappe et l'augmentation des dégâts critiques. Du coup, nos 14 pouvoirs permettent d'infliger un maximum de dégâts grâce à des attaques ciblées. Ici, nous venons de lancer Marteau de Thor, un sort extrêmement puissant. Grâce aux synergies de notre sélection, il réussit un coup critique dévastateur. Par exemple, en utilisant Balle enragée. L'une des forces du jeu, c'est justement sa grande diversité, qui vous permet de personnaliser votre personnage en développant des sélections correspondant à votre façon de jouer et aux défis à relever. Vous pouvez même créer des sélections pour jouer en groupe ou en solo, ainsi que pour le combat joueur contre joueur. Une sélection permettant de rattraper ses adversaires et de les prendre au piège pourra par exemple être redoutable contre les autres joueurs. Dans The Secret World, vous pouvez être qui vous voulez et jouer comme vous le souhaitez.